Oh, pardon. Coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec un des membres du band groupe coréen D6. C'était Yonkee il n'y a pas si longtemps, mais non, c'est les débuts solo de notre cher batteur Dowon et son titre, attention à comment je prononce, Out of the Blue, en feat avec Haejin. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, ses débuts solo à lui, parce que tu l'entends pas spécialement, parce qu'il est toujours à la batterie, mais franchement, j'ai très 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 hâte. Là, je vois juste un jean, c'est des pieds et c'est en animé, donc ce sera sûrement un MV animé. Et c'est parti, donc je vais découvrir ses débuts solo maintenant. Go, go, go! Ok, c'est une jeune femme sur un fond bleu. Jaune. Bleu. Pourquoi j'ai dit bleu? Santé. Ok, on voit dans les petites bulles ce qu'elle pense quand elle passe devant les trucs en fait. Bon là on entend beaucoup plus Haejin que Dowon. Hein. Après c'est pas en feat mais c'est vraiment en duo hein, j'ai l'impression. Ok, on voit tous les souvenirs. Sa vie d'adulte avec son amoureux, son enfance, son adolescence. Ok, on voit quand elle est enfant, en fait on voit vraiment toute son évolution jusqu'à aujourd'hui avec les différentes saisons. C'est sympa encore comme animé je trouve. C'est assez chill hein. C'est trop chou. La lune, le lapin, ça fait penser un petit peu à leur trio hein. Oh, leurs deux voix se marient très bien. C'est pas mal pour maman, j'aime bien. Mais je pourrais pas dire que c'est les débuts officiels solo de Dowon. C'est vraiment un duo, mais il faut pas se leurrer. Haejin a vraiment beaucoup beaucoup plus de paroles. Lui, en fait, on dirait limite que c'est lui-même le feat, en fait, tu vois. Après, peut-être qu'il a composé la chanson de A à Z, tu vois. Mais tu entends qu'elle, quoi. Donc pour moi, un début officiel, c'est de lui qu'on aurait dû entendre plus. Ou alors vraiment faire duo-duo et que les paroles soient vraiment bien réparties. Un peu déçu, juste sur ce point-là. C'est trop mignon ce petit éléphant. Après, il a une voix assez spéciale aussi, assez en baryton, comme ça, assez fort, tu vois. Alors, pour les débuts de Dowon, je suis, y a une chose où je suis vraiment déçue, c'est que tu l'entends presque pas. Oui, parfois quand ils chantent la partie du refrain ensemble et encore, puis lui une petite partie, une transition vers le milieu, mais c'est tout, tu entends beaucoup plus Haejin. Donc je ne comprends pas pourquoi faire ce genre de son si tu dis que c'est ses débuts. Et je suppose qu'il part bientôt à l'armée aussi, tu vois.
Après, il faut voir, est-ce que c'est juste un single, c'est juste un duo, est-ce que c'était vraiment ses débuts officiels ou pas. Après, à la base, il est juste batteur, donc franchement, je suis vraiment dubitatif et un peu déçue. Après, ça n'enlève rien que quand leurs deux voix, quand ils chantent ensemble, ça fonctionne très bien. Je trouve que ça va très très bien à cette douceur et cette voix assez haute et forte. Grave même, au niveau du MV c'était animé, c'était sympa, on voyait vraiment toute son évolution de son enfance à sa vie d'adulte, toutes les choses qu'elle aimait dans la vie, etc. Après t'avais vraiment pas Dawn quoi, c'était vraiment que sur une vie d'une jeune femme. Après la chanson parlait de ça aussi et tout un petit peu, mais je sais pas, j'aime bien, j'aime beaucoup la chanson, mais déçue parce que tu peux pas dire au début du titre, Dawn, puis duo avec Hyejin. T'aurais dû dire Hyejin et vraiment feat avec Dawn, parce que c'est ce que je ressens personnellement. Je m'énerve pas, vous inquiétez pas, je m'exprime. Parfois que je m'exprime, t'as l'impression que je m'énerve, mais c'est pas le cas du tout. Voilà, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé, mais un peu déçu, quand même. Après, c'est mon avis. Vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le même avis que moi. Est-ce que vous pensez aussi que c'est quand même pas très voilà, même si moi j'ai apprécié le MV. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez apprécié que c'était animé. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouverai très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, Sayonara.